Hello! Bonsoir à tous et à toutes. On est en direct sur ma page Éveille ta conscience pour ce 240e jour de live. On va parler de réveiller son énergie de vie à l'intérieur de soi, de toi, de chacun d'entre vous, de chaque personne qui va écouter cette vidéo, que ce soit maintenant, que ce soit en replay ou n'importe quel moment dans votre vie, ça sera juste parce que c'est, il n'y a pas de hasard, c'est parce que c'est le moment. Parce que c'est cet appel à l'intérieur de toi qui t'envoie ce signe, cette alerte, appelle-le comme tu veux. Mais l'énergie à l'intérieur de soi, c'est une chose que je parle tout le temps. On m'appelle la coach de Boost Energy parce que je suis comme toi, comme tout le monde, comme tout chaque être vivant sur cette terre, fait d'énergie. Mais j'ai une facilité à me connecter à elle, à être connectée à ma joie intérieure, à mon potentiel intérieur, à cette puissance intérieure qui circule à l'intérieur de moi. Et j'ai une facilité de te faire réactiver, de t'aider sur ce chemin, d'aller réactiver cette énergie de vie à l'intérieur de toi, d'aller la rebooster, d'aller la réveiller, d'aller réveiller cette flamme intérieure pour justement toi-même que tu empruntes et que tu crées ton propre chemin. Alors pour les personnes qui sont là, les petits yeux que je vois, faites-moi un petit coucou, dites-moi comment vous allez, dans quelle énergie vous êtes aujourd'hui. Pour ceux qui seront en replay, mettez-moi un hashtag éveille ta conscience. Donc ça va être un live court aujourd'hui parce que je suis encore actuellement en séminaire, un séminaire de feu, où à chaque fois je viens toujours grandir, éveiller ma conscience, aller chercher à l'intérieur de moi, aller ouvrir des portes, aller... clarifier encore plus ma vision, me connecter à quelque chose de plus grand, me connecter à une énergie encore plus, me rendre dans des lieux où justement la communauté est là avec moi. Parce qu'il est hyper important de bien s'entourer, d'être entouré de personnes qui vous inspirent, des personnes qui vous élèvent. Pourquoi je fais essentiellement du groupe ? Parce que le groupe est hyper porteur. hyper éveilleur de conscience, de prise de conscience, de... Ensemble, on s'aide, on se soutient, on se fait évoluer. Hello Yves, coucou! Comment vas-tu? Merci pour ton message. Je suis d'ailleurs très touchée par ces dizaines de messages que je reçois régulièrement. Je suis emplie de gratitude, mais vous pouvez aussi être emplie de gratitude pour vous. Moi, je vous transmets de la valeur, je vous transmets du contenu, je vous transmets mon expérience, ma connaissance, mon intégration, mon énergie. Mais remerciez-vous aussi, vous, de vous offrir ce cadeau, d'être là présent. Parce que pour certaines personnes, des fois, le gratuit, ce qui est là, n'est pas, comment dire, ne mettent pas autant d'importance alors que toutes les personnes qui suivent mes lives quotidiennement et qui les appliquent vraiment dans leur vie en fonction de qui ils sont et de ce qu'ils désirent, ils voient déjà les changements s'amorcer. Ils ont déjà planté leurs graines et ils la voient évoluer, ils la voient grandir, ils l'arrosent et là les fruits de leur récolte, de leur travail, arrive petit à petit. Mais encore une fois, si vous voulez créer une vie qui vous corresponde, si vous voulez être pleinement vous-même, c'est d'aller semer cette graine, de l'arroser, de poser des actions inspirées, d'acter les choses et en même temps de trouver le juste équilibre d'aller observer, de la contempler, de lui envoyer de l'amour, de la reconnaissance, de chaque que vous faites, de chaque action que vous posez, de prendre soin de votre énergie et de la réveiller à l'intérieur de vous comme cette plante que vous admirez, que vous contemplez chaque jour de votre existence. J'ai envie de vous inviter aujourd'hui dans ce live-là pour réveiller votre énergie. C'est d'aller chaque matin, de vous lever uniquement au moment où vous vous dites « Aujourd'hui, je vais faire une différence dans ma vie ».
de vous connecter à cette énergie-là, à le pourquoi vous vous levez, pourquoi ça vous met, ça vous rend heureux, pourquoi ça vous met dans une telle joie, d'un tel enthousiasme, d'une certitude absolue que vous allez contribuer à aider le monde, à le rendre meilleur. Et non, ce que j'ai remarqué, ce qui fait une grande, grande différence dans ma vie, dans mon business, dans tout, c'est quand je fais les choses pour les autres, pour le monde, pour quelque chose de plus grand. Ça a énormément plus d'impact, plus d'évolution, plus de... Ah, d'éveil de conscience. Alors que quand c'est fait pour moi, ou quand je observe que les gens font pour eux, c'est éphémère. Quand on contribue pour quelque chose de plus grand que nous, quelque chose de vraiment puissant, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre, qui s'opère. Et ça, c'est d'aller réveiller cette énergie-là. D'aller parler pour mes amis entrepreneurs. Parler de ce que vous faites. Vibrer votre message. Allez leur expliquer. Le coaching pour moi, c'est de la qualité. Le coaching pour moi, c'est la vie. C'est ce qui circule à l'intérieur de nous. C'est notre énergie. Moi, ce que je fais, je vous permets de mettre en lumière vos croyances. D'aller transformer vos pensées, vos émotions, vos croyances. Et d'aller justement créer cette vie qui vous correspond. D'aller chaque jour vous connecter à cette énergie de joie, d'enthousiasme, de plaisir, de certitude, de confiance en vous, en la vie. De vous amener à vous connecter à cette énergie-là. Parce que quand on prend soin de notre énergie, quand on aime profondément ce qu'on fait et qu'il y a vraiment une grande vision, d'aller trouver vraiment ce pourquoi, ce why à l'intérieur de vous, votre grande vision, qu'est-ce qui vous anime profondément, pourquoi vous avez décidé de devenir entrepreneur du bien-être, pourquoi vous êtes coach, pourquoi vous êtes thérapeute, pourquoi vous êtes sophrologue, pourquoi vous êtes prof de yoga, etc. Qu'est-ce qui fait vraiment sens pour vous? Merci Yves. C'est quelque chose qui coule dans mon sang, qui coule à l'intérieur de moi, qui vibre, c'est un flux en fait. Pour moi le coaching, c'est le coaching qui m'a choisi. C'est mon histoire de vie qui m'a emmenée au coaching. Pourquoi? Parce que je ne suis pas toute parfaite. J'ai des fissures, des choses, et comme je vous partageais dans un post à un moment donné, c'est un art chinois qui, par son art, va contempler les fissures par de l'or. Et c'est exactement ça le coaching, c'est d'aller combler, je sors d'ajustement alors, excusez-moi pour, voilà, c'est en train de tout se réencoder à l'intérieur de moi, mais d'aller vraiment combler toutes ces fissures par de l'or, parce que qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez envie d'aider les autres? Parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui vous a tendu la main. Parce qu'à un moment donné, vous êtes allé chercher au fond de vous que c'était le moment. Parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a fait une vidéo. Parce que vous avez croisé une personne qui vous a dit « bah moi j'ai fait ça, j'ai transformé ça ». Parce que vous savez qu'il y a quelque chose que vous pouvez apporter au monde par rapport à votre expérience, par rapport à votre savoir, par rapport à votre histoire, par rapport à plein de choses qui font que vous en êtes arrivé là. Aujourd'hui, je sais pertinemment que le coaching m'a choisi parce que j'ai vécu toutes ces expériences-là. Et des plus challengeantes, des plus... quand je regarde rien qu'en un an tout le chemin parcouru, mais je sais pourquoi je suis là. Parce que ce que j'expérimente, ce que je comprends, ce que je transforme, ce que je passe à un autre niveau, que ce soit en termes d'étapes, de paliers, d'énergie, de mindset, d'éveil de conscience, je sais que je le transmets, que je vais pouvoir l'apporter à quelqu'un et lui dire « Ok, moi je vais planter une graine en toi et cette graine-là, c'est toi-même qui va la faire fleurir. » Parce que tu as ce potentiel au fond de toi. Parce que c'est toi, c'est ton unicité, c'est ton essence, c'est qui tu es qui va permettre de fleurir et de permettre de vous connecter à ce qu'il y a de plus grand en vous, à augmenter votre confiance en vous, à passer à l'action de manière inspirée dans cette certitude de quoi qu'il arrive. Je me dirige sur ce chemin-là. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent, extraordinaires, qui vous élèvent. Pourquoi je crée des programmes de groupe? Pourquoi j'ai créé le programme Renaître?
pour les personnes qui ont vraiment envie de se reconnecter à qui elles sont, de remettre du sens dans leur vie, qui sont là à un moment donné, qui se posent trop de questions et que finalement ils sont pris dans le brouhaha et qu'ils n'arrivent pas forcément à se dire « mais attends, je suis perdue, je ne sais plus dans quel sens mettre » parce que ça va trop vite, il y a trop de bruit, il y a trop de choses, on s'est perdu et c'est ok. Mais quand cette personne-là, elle a le déclic, elle se dit « moi je suis engagée, je vais m'engager, je suis convaincue, je vais poser les actions ». Je sais qu'avec Marion, elle va me guider. Elle va me prendre la main, on va y aller ensemble, mais c'est moi qui vais faire le job, c'est pas elle. Toutes les personnes avec moi qui sont en coaching individuel ou dans le programme Renaître, qui s'investissent, qui se donnent les moyens, qui croient en elles, et qui sont là, chaque jour, à mettre un pas, après un pas, après un pas, après un pas, elles font des bons quantiques, elles passent des paliers, des étapes, mais juste ouf. Juste extraordinaire, parce que c'est elles qui le font, parce que c'est là qu'elles l'ont. La puissance, elle est à l'intérieur d'elles. Pourquoi j'ai créé le Mastermind Révèle-toi dans ton business où on commence la semaine prochaine? Pourquoi? Parce que ces entrepreneurs-là, ils ont décidé à un moment donné d'exercer dans ce domaine de bien-être, d'apporter aux autres, au monde, quelque chose de bien plus grand qu'eux, de contribuer à un monde meilleur, en devenant chaque fois meilleurs humains eux-mêmes, en donnant le meilleur d'eux-mêmes, en se disant « Ok, moi je suis là pour transformer des vies, pour les aider à changer leur vie. » Pourquoi j'ai créé ça? Parce que malheureusement, ce que je constate, c'est que beaucoup d'entrepreneurs se focus sur « Bah, j'ai pas les clients, moi j'y arriverai pas, je suis trop timide, j'ai pas confiance en moi, je sais pas faire la technique, j'ai peur d'être en live et d'être en visio. » Mais moi, tout ce chemin, j'ai fait. Et aujourd'hui, je suis là. Parce que j'ai su m'entourer, parce que j'ai été accompagnée, parce que j'ai été soutenue par mes amis, j'ai été soutenue par mes coachs qui ont cru en moi et que du coup, moi, j'ai révélé cette confiance en moi. J'allais la chercher au fond de moi parce que mon why, mon pourquoi était puissant, ma vision est puissante. C'est pas toujours facile, mais ça le devient. Ça le devient. Parce que souvent, on s'en fait toute une grande montagne, machin et tout ça, mais en fait, c'est juste un petit grain de sable, c'était le live d'hier. Et que finalement, quand on regarde le chemin par an, on dit « Ah ouais, en un an, j'ai fait tout ça. En un an, j'ai fait tout ça. » Bah voilà pourquoi j'ai créé le Mastermind. Le Mastermind Révèle-toi dans ton business en mettant du plaisir et en révélant ta vraie nature. Parce que c'est hyper important pour moi que chaque entrepreneur, que chaque personne en tant qu'individu, se connecte à qui elle est vraiment, à ce qu'il y a au fond de ses tripes. Ce truc qui fait que, oh, mais en fait, quand je suis connectée à cette source, à cette énergie de vie à l'intérieur de moi, je sais que je suis inarrêtable, je suis dans ma vibe, je suis dans mon truc qui est pour moi, je suis dans un monde, sur le chemin qui fait que je sais que je suis au bon endroit et que je suis en train d'être qui je dois être. Et en plus, je prends du plaisir et je pose les bonnes actions dans mon business, dans ma vie, pour créer une vie qui me correspond. Et c'est réalisable à qui s'en donne les moyens. Personne que je connaisse autour de moi qui ont accompli des grandes choses, qui ont contribué à un monde meilleur pour les autres et pour le monde, avec une grande vision, ils ne sont pas restés assis dans leur canapé à ruminer leurs pensées limitantes, leurs croyances et se dire « mais de toute façon, j'y arriverai pas, machin ». Ça ne veut pas dire qu'elles n'étaient pas là. Mais elles se sont connectées à quelque chose de plus grand là, au fond d'elles et elles sont allées s'entourer de personnes qui l'ont déjà fait, qui les inspirent, qui croient en elles et qu'elles ont envie d'avancer, mais qu'elles ne donnent pas le pouvoir aux personnes qui les aident et qui les entourent, mais qu'elles, elles prennent leur pouvoir et qu'elles aillent se diriger avec des leaders eux-mêmes qui ont déjà expérimenté ça. Donc, réveillez cette énergie de vie à l'intérieur de vous. J'ai envie de vous poser la question. Qu'est-ce que vous êtes... Dans une journée de 24 heures, combien de temps vous avez envie d'être heureux sur ces 24 heures? Combien de temps vous avez envie d'être heureux, de connecter à cette joie dans votre vie? Posez-vous ça. Je vais vous laisser là-dessus. J'ai passé un grand pas en postant cette semaine une communication de foyer sur Facebook. J'avance et je pense que tu nous boostes vraiment. Merci. Yes, je suis là. Je suis pour moi le boost d'énergie. Je suis votre guide. Je suis là pour vous faire prendre conscience. Je suis là pour vous éveiller, pour vous aider à vous diriger sur votre chemin de vie, votre mission. Vous l'appelez peu importe comme vous voulez.
votre pourquoi, votre why. Mais c'est toi, Yves, qui l'a fait. Parce que tu es allé te connecter à ta puissance intérieure. Et tu l'as fait. Tu peux qu'être fier de toi. Et je t'invite vraiment à aller célébrer. Célébrer chaque pas, chaque petite victoire. Pour aller programmer ton état d'esprit, tes cellules. Et pour que ça vienne ta nouvelle norme. Et que ça fasse partie de ton quotidien et de ta vie. Donc voilà pour le live de ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée. Si vous pensez que ce live peut aider d'autres entrepreneurs, partagez-le, taguez-moi. Plus on fait véhiculer cette énergie-là, plus on permet ensemble de contribuer à un monde meilleur. La concurrence, pour moi, ça n'existe pas. Il n'y a pas une personne comme moi. Il n'y a pas une personne comme toi qui regarde cette vidéo. On est tous uniques. Et cette concurrence, c'est des croyances qu'on nous a mis dans la tête. C'est des conditionnements qu'on nous a mis dans la tête. Les personnes qui viendront vers moi à un moment donné dans leur vie, c'est parce qu'ils vont se connecter à mon âme, à mon énergie, à qui je suis, à mon expérience, à ma façon de parler, à ma façon d'être. Et ceux qui vont aller vers toi vont connecter pour qui tu es. Pour qui tu es. Et bien évidemment, pour ce que tu apportes. Mais pas que. Ce que je regarde dans toutes les personnes qui viennent bosser avec moi, qui viennent travailler avec moi, elles viennent pour qui je suis, avant tout. Voilà. Donc, je te souhaite une belle soirée. Prends soin de ton énergie de vie. Augmente ton taux de vibration. Ta vie va augmenter. En fonction de ton taux de vibration, de ce que tu émets dans l'énergie, de qui tu es chaque instant, qui tu es quand tu te diriges sur ce chemin-là, qui tu as envie d'être. Je vous dis à demain pour un live. Bye.